Ok les gens, content de vous retrouver. On est toujours dans notre petit hangar. On vient d'arriver dans le dernier épisode. On était arrivé là. Je vais juste essayer d'aller looter les trucs que normalement on peut looter. Je crois que c'est ici. Il n'y a plus rien ici, ok. Bah écoutez, c'est la tempête dehors. Donc, on va essayer de voir si c'est pas ici. Ah bah c'est là. Pierre aiguisée, port au faillot. Et normalement, ici aussi, il y avait quelque chose dans le temps. Oh, bah il y a un bidon là. Non, c'est pas ici, je vous dis des bêtises, c'est un peu plus loin. Je vais aller voir. Je vais laisser un peu de bois ici. Je suis chargé comme un mulet. Hop là, et normalement, non, c'est sur l'autre caisse. Je sais plus ce qu'il y a, je me demande, c'est pas des accélérants. Ici. Mais il n'y a que dalle. On va manger parce que je vais finir. Pas mourir de faim, je vais aller voir le temps qu'il fait et je chasserai bien un petit truc. Un petit loup serait le bienvenu. Sinon, on monterait bien s'il fait pas trop mauvais directement à la cabane là-bas. Je vais juste laisser 7 charbons ici. Voilà, pour être sûr d'avoir assez pour faire un mouvement de forge. C'est vraiment trop bête que je les utilise. Tant pis, mais je veux vraiment pas les utiliser. Pour être sûr que voilà, on ait ce qu'il faut pour crafter derrière. Allez, on va voir s'il y a du loup. C'est bien rare qu'il n'y en ait pas. Vous êtes où les loulous? Il est arrivé lui. T'es où toi? Ah, je t'ai pas vu arriver, saloperie. Allez! Gotta stop that bleeding. Sale bête! Je savais qu'ici, ce serait la galère. Alors, voyons les dégâts. Hémorragie. Risque d'infection. Alors. Déjà, application de l'antiseptique. Ah, j'arrivais pas à le voir, je sais pas où il était. Ok. Bon, le reste, ça va. On va regarder les fringues après. On va regarder les fringues après. Ce que ça donne. Bon, je l'ai eu quand même, donc déjà je suis content. Il y a un câble là-bas, je vois, sous le truc que j'avais pas vu. Je l'ai eu avec le couteau. Bah, ici, c'est toujours compliqué. Mais bon. C'est comme ça. Je le savais. Je le savais que ça serait compliqué. Bon, c'est pas grave, on va se faire de l'eau. En profiter, hop, pour se remonter un peu le moral. Bon, j'en profite pour aller voir les voitures. Si des fois je trouve un truc. Il m'a bien eu le saligo. Il m'a bien eu. Ah, je sais pas où il était planqué, je l'ai pas vu.
Je le voyais pas, je sais pas si en revoyant la vidéo, je verrai ce qui s'est passé, mais j'ai pas vu. C'est pas grave. Ça arrivera d'autres fois. Heureusement que j'étais plein de vie, sinon ça aurait été sans doute un petit peu compliqué. Très clairement. Allez, je suis reparti. On est le soir. Je pense qu'il y aura au moins des loups là-bas, mais il va y en avoir à côté aussi. Je fasse attention aussi. Il y a toujours un ours qui traîne. Ok, il doit y avoir un loup qui chasse là. Ou il y a un loup là-bas. Ok. Et un loup là. Allez, viens. Il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. En fait, il chassait le cerf, il me chassait pas moi. D'après ce que j'ai compris. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Il y en a un autre. Les loups, ça va en vrai. C'est l'ours qu'il faut faire attention. Et puis l'élan, mais l'élan a pas l'air d'avoir le spot ici. Il y en a un qui a eu peur, ok. Allez, viens là. Allez, one shot encore un coup. Je commence à m'améliorer un peu plus. Je trouve au tir au pigeon. Aïe. Là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, ça. Le vent vient d'éteindre ma torche. Et je sais qu'il y a un loup là-bas. Le problème, c'est qu'il n'y en aura pas qu'un. Mais il a peur de moi, lui. Je sais pas pourquoi. Mais c'est une bonne nouvelle, on va pas s'en plaindre. Ok, il en restera un là-haut. Ou deux. Souvent un, mais peut-être deux. On va essayer de faire attention. Ok, il y a l'élan. Et il y a un loup, il y a deux loups et l'élan. Bon, l'élan c'est une bonne idée. Je sais pas trop où me mettre pour le tuer. Mais par contre, il est là. Alors là, ça c'est cool, franchement. Les loups, il y a deux loups là-bas, au moins deux. On va les laisser tranquilles pour l'instant, on va les se mettre au chaud. Et on va se préparer à tuer tout ce petit monde. Bon, on va essayer d'aller choper... J'ai que cette flèche. Mon arc est bien fatigué. Donc, on va essayer d'aller choper l'élan. Sachant que je suis un noob parce que j'ai pas pris de quoi faire les arcs et les flèches. C'est resté en bas. Je pensais que j'allais, mais c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Le loup est là, ok. Alors je vais peut-être tuer ce loup là. Ah bah les deux sont là même. Ça m'arrange pas trop. Mais d'un autre côté, les avoir dans les pattes, ça m'arrange pas trop non plus. Mais viens à toi. Ok, un de moins. Je commence à être meilleur au tir au pigeon, je trouve.
Lui, il a eu peur, l'autre. Ok. Il a eu peur. Bon. Et que je mange un peu. Faire un petit feu, se réchauffer et manger. Ok, le vent se lève. Ce qui n'est pas une bonne idée. Le loup court encore. Mais il doit avoir peur de l'élan plutôt que de moi, à mon avis. Je pense. Alors, les petites tisanes. Tac, on va continuer de farmer le petit loup. Ok, ça c'est bon. L'élan est toujours là. Le loup est toujours là-bas. En vrai, j'aurais dû... J'ai pas pensé, fallait que je ramène tout ici pour farmer mes flèches, mon arc. Parce que je pense que je vais être un peu juste, sinon... Je sais pas combien il faut de flèches à lui. 4, 5... Allez, reprendre la tisane de bouleau. Peut-être essayer de tuer l'autre corneau là. Il est là-bas. Ah, il y a des ptarmigans. Après, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de fabriquer mon arc avant. Au moins les flèches. On va voir. Il y a du vent là. Là, je suis en train de jouer avec le feu, c'est le cas de le dire. Ouais. On va faire autrement. Là, je suis en train de faire des bêtises là. C'est ce qui me semblait. Est-ce que lui. Il s'allume. On va essayer de sauver le feu. On va attendre un peu pour la suite des opérations élan. Je ne suis pas prêt et ça sert à rien de l'entreprendre si je peux pas le tuer. Alors par contre, j'aurais bien essayé de tuer les parmigans avec les autres flèches. Voir ce que ça donne, ce que c'est bon pour le petit gibier, a priori. Perdu. Perdu. Ok, perdu encore. Bon, ça marche pas bien. Je vais durcir par le feu. Aïe, j'ai entendu le loup. À mon avis, il est parti sur les ptarmigans. Où il est? Ça me plaît pas trop. Bon, écoutez, on va attendre qu'il y ait moins de vent et on verra. Il y a l'ours qui est là aussi. Ok. Il y a l'élan et l'ours côte à côte. Là par contre c'est trop loin. Mais il serait à côté là quand il passe là. Ça vaudrait le coup d'y arriver. Enfin, ça serait cool d'y arriver plutôt. Allez, j'ai réussi à tuer le deuxième loup sans qu'il me voie. J'ai faim. Donc on va manger. Il y avait de la tempête, mais ça n'a pas fait des pop l'élan comme l'autre fois, donc c'est très bien. Je pense sincèrement que je vais aller farmer, fabriquer, crafter des flèches, tout ça, ce qu'il faut.
Parce que je voudrais quand même arriver à avoir l'élan. J'espère qu'il va pas redépop, sinon j'attendrai. J'aimerais avoir aussi l'ours en bas. Donc je vais me refaire un arc, des flèches, forger ce qu'il faut. Ça va mettre un peu de temps, mais au moins je serai équipé. Ah zut, il a des pop. Ah non, il est là, pardon. J'ai cru qu'il avait des pop. Ok, le temps est bien. Le temps est bien. Je vais essayer de mettre la corde, passer par le bas. Je vais juste finir de farmer. Hop, on va cuire ça. Je vais encore farmer mon loup. Je me rassasie bien avant de descendre. 6 minutes. Maintenant 22, nickel. On va farmer ça. Je ne suis pas pressé après tout. Pas de précipitation, organisons-nous bien. Allez, là on est prêt. Une petite torche, un petit thé. Je vais essayer de passer par le bas. À moins qu'il y ait l'ours. À moins qu'il y ait l'ours. Mais sinon, j'aimerais bien passer par le bas. Ça me gagnerait un peu de temps. Et après, il faut que je voie l'ours. Si je le vois pas, ça m'intéresse moyen. Ça m'intéresse moyen. Je le vois pas. On va déployer la corde, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il ressort? Non. Où est-ce qu'il est? C'est ça la question. Allez, on va bien voir. Faut pas que je tombe dessus, c'est surtout ça. Je le vois pas. C'est pas que c'est une bonne nouvelle, hein. On est d'accord. Parce que s'il est là. Il va nous mettre la misère. Il est là. Ok. Bon, ben ça c'est bien, il est là. Le loup qu'on a chassé, il est là aussi. Quelle heure il est? Et surtout, quelle température il fait? Moins 8. Ok, moins 8, ça se joue. Moins 8, ça va. Avec un peu de... Avec un petit peu de petit bois. Ah mince, je crois que j'ai rien pris. Tant pis, je mettrai un charbon. On va juste découper un peu de barbac. Pour être sûr de... d'avoir assez pendant le mouvement de forge. Je pense qu'on sortira chasser 2-3 trucs. All right. Ok, ça devrait suffire.
Allez, 2 kilos. Écoutez, on va essayer de faire ça et ça. En espérant que on aille jusqu'au bout. Là, c'est toujours très tendu. J'ai tué deux loups. Mais il y en a toujours 3-4 qui traînent dans le coin. On est toujours en train de tuer les loups ici. On fait que ça. On fait que ça souvent. Et on les voit au dernier moment, comme l'autre fois. Ok. Ça va. Bien, je suis pas trop fatigué. Alors. On va faire tout de suite. On va tout de suite faire ça. Allez, hop. Comme ça, on perd pas le feu. Fait notre mouvement de force, j'ai un peu de café, donc on va faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que par contre j'ai de la ferraille? Ouais, j'ai de la ferraille, j'en avais coupé. Hop. Allez, on va mettre ça déjà. Un petit peu, le diable, c'est combien? 1h30 pour 4. J'ai combien de feu là? On va faire ça. Là, j'ai combien? 2h13, donc c'est bon. Allez, comme ça, ça va être nickel. Allez, 41 minutes, top. Allons-y. Pour les 7 charbons. J'avais du bois là, il me semble. Non, je pense que j'ai ce qu'il faut là. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hop, ça c'est bouilli. Je monte tranquillement. I need to drop something. Allez, on la met à fond. On va boire un coup. C'est bon, allez, en température. Allez, c'est parti. On va commencer par faire pointe de flèche x2. Je me tâte à faire une hachette. Je m'en sers pas en fait. Je me rends compte que je m'en sers pas. On va prendre un petit café. Voilà, pour en remonter un peu. Ouais, je crois que je vais faire que des pointes de flèche, très clairement. Parce que la hachette, je m'en sers pas. Ça fait du poids. Peut-être je me la ferai une fois que... Je me la ferai peut-être une fois que... Que j'aurais été chercher le. Ou que j'aurais la pochette d'élan là, où j'aurais un peu plus de. Ouais, je vais faire des pointes de flèche, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Arc et flèche. Finalement, j'ai décidé de changer d'avis. On va faire. J'ai suffisamment de. Je vais peut-être perdre mon bonus.
Je pense que je vais perdre mon bonus de nourriture. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me reste ? Not sure why I feel so tired. Remarquez. Je dois voir quelle heure il est. Ouais, non, je vais peut-être pas le perdre. Attendez, je vais juste jeter. Je me débarrasse de ce que j'ai pas besoin. I can eat a horse. Voilà, j'ai trop de flotte. Je vais reprendre 2 litres. Hop. Et on est parti. Normalement, j'ai la bouffe de prête. On va faire ça. J'ai de la bouffe de prête. Il y a du vent par contre. Je suis lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Ouais. Attendez. On va faire ça. Je vais gagner un peu en fatigue. J'espère que je ne vais pas trop croiser de sale bête. Vu qu'il fait du vent, je vais essayer d'aller manger. Ok, j'ai pu manger. Allez. Retour, on espère. Au garage. Je vais dormir. Et on va craft ensuite. Des flèches. Oh, je retue quelque chose, je pense. Ou je vais y farmer des trucs, mais. Pour l'instant. C'est plutôt pas mal. J'ai froid. Le temps n'est pas idéal. Je peux courir un peu, pas des masses. Ouais, je suis fatigué. Ok. Allez, on est pas loin. On est pas loin. J'ai toujours flippé un peu dans le coin. Ok, allez dodo. Allez, je vais crafter un peu. On va commencer par l'arc de survie. J'ai pas de boyau. Et oui, j'ai pas de boyau pour l'arc de survie, je suis en train de me dire. J'ai pas amené de boyau. Dans ce cas, bah, c'est pas grave. On va faire ça d'abord. Mon arc est pas cassé, hein. Ceci dit. Je pense que je finirai de crafter là-haut. Je vais regarder le temps qu'il fait. J'ai les boyaux de loup, donc j'ai les boyaux de loup là-haut qui sèchent. Donc comment est le temps? Moyen, pas moyen, un peu moyen. Quelle heure il est? Ouais, allez, on va y aller. Je passe par l'autre côté, mais je pense qu'on va y aller. Je vais passer par contre par le... pas par la corde. Allez, c'est parti. Je vais pas passer par la corde, je vais passer par l'autre côté. Il y a quelques dangers là. Et après, on devrait être tranquille. J'ai rien croisé tout à l'heure, mais c'est pas pour ça qu'il y a rien. Est-ce qu'il me reste du bois sur moi? Non, mais j'ai un charbon. Poser la question de récupérer le loup quand j'y étais. Il y a un cerf aussi là-bas. Après, je vais en trouver d'autres. Hein. Que je me dis, le temps est avec moi, j'ai envie de bouger quand même. Il y a un loup là-bas, je pense que je vais pas le tuer, pas trop d'intérêt. Par nettoyer le coin, remarquez. Il
Il arrive. Bon, écoutez. Mince. Une flèche en moins. Il m'aura chouré ma flèche. Ah oui, j'avais retué un loup ici. Quel état là? Je vais retuer un loup ici. Ouais, les loups j'en tout plein, mais. Écoutez, le temps est pas trop mal là. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. De quoi faire un tout petit feu. Et manger. Pourquoi pas. Ok, le vent se lève un peu. Allez, comme ça. On aura le bide bien rempli. Donc, je pense que. Je vais pas arriver à garder mon feu. Après j'ai tué tout ce qu'il y avait dans le coin donc. Oh la vache, j'ai pas vu l'ours. Les boules. Et je pensais pas qu'il venait jusque là lui. Ouh, j'ai eu peur. J'ai de la chance qu'il m'ait pas grogné dessus lui. Il est attiré par l'odeur comme c'est fait là. Je le fais pas. Je le tue pas. Mais je pense qu'il était attiré par l'odeur. Mais oui, forcément, j'ai de la barbac sur moi. Quel idiot. Ah bah oui. Too much stuff to carry. Regardez-moi ça. Fait direct dessus. Oui, c'est ok. Ok, d'accord, c'est normal alors. C'est normal, ok. Bon, bah, c'est bien à savoir. Peut-être que là-haut, ça m'arrangera. Mais comment que j'ai fait mon compte, moi. Mais j'ai mal géré, là, pour le coup. C'est pas mon habitude de garder de la viande sur moi. Ok, l'élan n'a pas bougé. Ce qui est une bonne chose. Peut-être ramasser quelques morceaux de bois. Mais je me gèle un peu. Après, ma barre de vie est full. Donc, c'est un petit peu moins grave. Je me rappelle plus si... Non, j'ai tué les deux loups. J'ai tué les deux loups. Bon, les tisanes, je les prendrai plus tard. J'ai tué les deux loups. Je sais pas s'il me reste grand-chose en viande, d'ailleurs. Il va vraiment falloir que je m'occupe de l'élan, mais il faut que je fasse l'arc avant, parce que sinon, ça le fera pas. Sinon, ça le fera pas. I'm gonna have to leave something behind. Je pourrais toujours tuer quelques lapins. Ou alors, je tue l'ours d'abord. Je tue l'ours d'abord. Ça me fait suite tuer les deux en fait. En même temps parce que. Il me reste un peu de viande, un peu de bois, tout. Non, non, on est bien. Allez. On rentre. Ok, il y a l'ours qui est là. Je sais pas si je peux. Comme j'ai des flèches, j'ai 6 flèches. Et j'ai de quoi après en faire, je sais plus combien. 8. Je me pose la question. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. 40. Ouais, je l'ai eu. Oh, yes. Du premier coup. Bon, ben voilà. Ben, plus qu'à attendre que monsieur veuille bien mourir. Ce qui serait une bonne chose, parce que j'étais un peu ric-rac en bouffe. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Voilà. Et comme ça, bah, je suis pas prêt de faire un arc tout de suite, donc ça va me permettre de patienter un peu. Damn. Ici, tranquillement.
Bon, je viens de choper le mal de l'enfermement. Ce qui est pas cool. Comment j'ai de tissu sur moi? Ok, j'ai de quoi faire un igloo. Faut juste que je vois où je peux le faire. Bah écoute, la maison, c'est pas mal. Mais par contre, je vais à mon avis mourir de froid. Mais au moins, voilà. Je vais dormir ici, j'ai pas le choix. Alors, est-ce que mon ours est mort? A priori, toujours pas. Toujours pas. Ce qui ne m'arrange pas. Bien, ben je cherche mon loup, mais mon ours. Il est marqué pas mort. Et je le trouve pas, effectivement, comme s'il avait des pop. Je l'ai pas revu. Je pense que c'est encore un bug. Voilà. Il y a quelques bugs sur le jeu, quand même, avec les ours, notamment. J'ai pas de chance. Entre le premier et le deuxième, j'ai vraiment pas de chance avec les... Bon, c'est pas grave. Je vais m'occuper de ce cerf. L'élan a des pop aussi. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Et vous, il est là, l'ours. Il a repop. Ok, bah, je vais pas rester trop longtemps là. Alors. J'ai pas envie qu'il me tue. La deuxième fois que j'ai de la chance. Et là, il vient un peu vers moi. Alors, attendez. Ouais, j'ai encore de la barbec. Quel idiot. Attendez, ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien même. Je vais l'emmener jusque là-bas. Allez, vous êtes prêts? Touché cette fois. Mais cette fois-ci, je l'ai eu. Ok, cette fois je l'ai eu. On verra s'il est bugué, mais cette fois je l'ai bien eu. Ok, bon. Je sais pas s'il va revenir vers moi. Il est là-bas. Il court. Moi je vais profiter de mon feu. En espérant que ça se passe bien. Mais là, vous êtes témoin, la dernière fois je l'avais bien touché. Mais aussi. On est d'accord. Ok, c'est un peu tendu parce que l'élan est juste à côté. Alors c'est pas simple, mais bon, c'est comme ça. On va essayer de... Je suis accroupi, qui me voit pas, et puis voilà. Ok, accroupi, il nous voit pas, c'est déjà ça. Il est revenu, ça c'est une bonne nouvelle. En fait, il était pas parti, c'est qu'il était plus devant, il était passé par derrière. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faire attention si les loups sont revenus. J'ai tué les lapins pour manger. Donc il devrait plus y avoir grand chose. J'ai farmé à peu près tout ce que je pouvais ici. Juste jeter un coup d'œil derrière si des fois il y a le loup. Enfin, pas le loup, l'ours, je veux dire. Il faut que je le verrai.
Pour moi, il est parti bien plus loin, mais... Bon, j'espère que cette fois-ci, il sera pas buggé, le machin. Je l'espère. Je l'espère. Allez, on utilise l'igloo. Ça dort et on dort. Ok, mais cette fois, dans les logs, c'est bon, l'ours a bien été tué. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller chercher tout de suite sa peau. Je vais casser ça avant. Je vais emmener un peu de bois avec moi. Qu'est-ce que je vais laisser là-dedans? Ah oui. De quoi faire les flèches et tout ça pour pas être trop lourd. Est-ce que j'ai des boyaux séchés? Non, pas encore. Donc on a de quoi... Oui, on a de quoi faire encore. Allez, on va essayer d'aller chercher le loup. L'ours, j'y arrive pas. Ok, je vois mon nounours cette fois-ci. Il est bien mort. Alors cette fois-ci, je vais voir l'état déjà. J'espère que je vais pouvoir récupérer facilement. Bon, déjà, je vais récupérer ma flèche. Ah. Si, là. Yes, c'est parti. Ok. Un petit peu de... être trop gourmand. C'est quoi la température? Ok, ça devrait suffire. Hop là, 37 kg de barbac. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la fourrure pour commencer. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que hop, 2 kilos de barbac. I could eat anything. Qu'on va mettre à cuire et je vais aller faire sécher tout de suite. La peau dans la grotte. Ça va me faire avoir. Comme la dernière fois. Je vais regarder l'état tout de suite. 100%. Cette fois-ci. Ok. Ça, c'est bien. Allez, je vais continuer de dépecer la bestiole. On va pas tout cuire, bien sûr, mais au moins... On sait que juste en bas, on a de quoi manger. C'est cool en vrai d'avoir la cuisine 5. Très clairement, normalement, maintenant, on est un petit peu tranquille sur la bouffe. Le temps, ça va, ouais. Allez. Après, si on aura le temps de tout recycler là, on fera le lendemain. Allez, je dépose ça tranquillement. Là, on est tranquille pour un petit moment au niveau de la bouffe, ça c'est sûr. 4 minutes, ok. Le temps, ça va. Il y a 30 kg de bouffe, là c'est... C'est juste... Bah génial, quoi. 35 kg de barbac. Je vais essayer de faire quelques guts. Un peu
histoire de pas trop attirer les loups, même si j'ai déjà fait pas mal le ménage de ce côté-là, mais bon, ça sert à rien d'attirer les bestioles pour rien. Je regarde. Toujours à 100%. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait l'autre fois, mais il y a un truc bizarre qui s'est passé. Est-ce que je l'ai pas bien stocké? Il y a des fois, j'ai vu aussi que... Dites-moi aussi dans les commentaires, parfois, ça sèche mieux dans les grottes qu'en intérieur, j'ai trouvé. Est-ce que c'est une question de température ou quoi? J'en sais rien, mais... Je trouve. Alors, on est le lendemain. Effectivement, elle perd 4% par jour. Donc, 4 x 12, 48%. Donc, elle va perdre, effectivement... 4%, 48%, ok. Mais il y a vraiment beaucoup d'usure sur... sur ça, je trouve. Mais bon... C'est pas grave, mais... Je suis un petit peu surpris, j'avoue. Que ça soit autant, hein, autant. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc pas cool. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas cool. C'est que le sac à dos qui était là a des pops. Et du coup, je viens de perdre toutes mes pointes de flèche, mon marteau, mon arc qui était en séchage et tout. Je sais plus ce que j'avais d'autre. Ma scie. Non, ma scie, je l'avais avec moi. Ce qui fait que... Voilà, tout mon programme vient de tomber à l'eau. J'avais 12 pointes de flèche, j'avais de quoi faire... Je regarde, mais à mon avis, c'est pas pop ailleurs, hein, non. Alors, c'est un bug vraiment nul. Vraiment, vraiment, vraiment nul. Ça me plombe le jeu. Clairement, ça me plombe le jeu. J'espérais faire mon arc. C'est mort, mes flèches, c'est mort. Tout est mort. Je suis... Bon, c'est qu'un jeu, mais je suis deg. Franchement, je suis deg. J'ai jamais eu le cas, je regarde des fois que, mais non. Il n'y a pas le... Il a vraiment des pops et... Il n'y a plus le sac à dos. Je vais aller regarder en bas des fois qu'il aurait repop ailleurs, mais... C'est galère, ça. J'ai jamais eu ce cas-là, moi, sur The Long Dark. Alors, est-ce que les sacs dépop au bout d'un moment? Chose que je ne savais pas. Alors le souci c'est que bon bah, je suis ric-rac au niveau arc très clairement. Bon, j'ai gagné une peau d'ours mais j'ai plus d'arc, enfin j'en ai un mais qui est à 10%. J'ai plus que 7 flèches, j'ai plus mon marteau, j'en ai un autre à la ferme à 1000 tonnes et les boulots bah voilà quoi. Donc mais ça veut dire que j'ai plus de charbon non plus, donc bah voilà. Pas moyen de refaire une session de forge ici. Ah, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. C'est la vie, mais je suis dégoûté. J'aurais dû mettre ça dans un casier et pas dans un sac à dos, c'est sûr, mais j'ai jamais eu le cas, donc je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une mise à jour et voilà, ou est-ce que c'est normal? Bah, si vous avez la réponse, dites-moi dans les commentaires. Du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Du coup, bah, épisode mitigé. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je tuerai pas les lances cette fois-ci, encore une fois. Ça ne le fera pas, puisque j'ai plus du tout ce qu'il faut. J'ai plus du tout. J'ai plus qu'à remonter en fait à la ferme. Je pense que ce que je vais faire, pardon, remonter à la ferme pour essayer de récupérer du matos. Mais... Ah ouais, non, c'est vraiment pas cool. Franchement, c'est pas cool. Mais c'est comme ça. Sur ce... Bah, je vous dis... à très vite. À la suite des aventures. Ciao.